très bien. Donc, l'objectif de la partie de cours, c'est de vous permettre de connaître la terminologie routière relative à la structure de chaussée, de connaître également les matériaux qui sont utilisés dans le domaine des routes, et de savoir la méthode de dimensionnement des structures de chaussée. Savoir la méthode de dimensionnement, ça veut dire qu'on va suivre la démarche de choix, la démarche de dimensionnement de la structure. Nous allons faire des exemples pratiques pour le choix de la structure de chaussée en fonction de l'ensemble des données qui interviennent le choix de la. Donc, nous allons faire des exercices durant la deuxième partie. On va surtout pardon. On va surtout se baser le dimension de la structure de chaussée sur le catalogue des structures de chaussée neuves, le catalogue marocain de structures de chaussée neuves. Donc, je vais vous envoyer par la suite. Donc, pour cela, nous allons suivre le plan. Donc, on va commencer par des généralités sur les chaussées. Qu'est-ce que c'est qu'une chaussée? Pourquoi une chaussée? Ensuite, nous allons voir quels sont les matériaux de construction de la chaussée, les différents matériaux de construction de la chaussée. Et on va finir aujourd'hui par les types de chaussées. Et là, ça, c'est la deuxième, la séance prochaine, consacrée à la structure de chaussée. On va voir le catalogue de chaussée, comment choisir la structure de chaussée pour un projet donné. Et ni comment dimensionner la structure de chaussée. Donc, pourquoi déjà une chaussée? Lorsqu'on circule sur un terrain naturel, donc en bon temps, lorsque il n'y a pas de pluie, le sol il peut supporter la circulation des véhicules sans grande déformation. Donc là, en temps sec. Ni lorsque le sol elle est sec, on peut circuler. Et ni on peut circuler. Elle a le sol naturel. Bon, pourvu qu'il soit circulable, bien évidemment, qu'il soit par exemple plan, et ainsi de suite. Donc, on peut circuler. Mais lorsque, par exemple, il y a de la pluie, il y a par exemple le sol devient humide et sa portance il chute. Donc là, on ne va pas pouvoir y circuler. Donc, on n'accepte pas d'être dépendant de l'aléa du sol, est-ce qu'il est humide, est-ce qu'il est sec, et ainsi de suite, parce qu'on doit toujours avoir de la circulation. Et pour assurer de la continuité de la circulation, il faut mettre une chaussée, il faut mettre quelque chose, une structure qui va permettre de protéger le sol contre déjà les intempéries, ça veut dire le climat, et ça va permettre également de circuler dans de bonnes conditions, qui est des conditions de confort, des conditions de sécurité, et ainsi de suite. Pour cela, c'est pour ça qu'on a pensé à mettre une chaussée entre le terrain naturel et la pneumatique qui représente la charge. Donc là, c'est le sol support. Toujours le sol support, il existe pour une structure quelle qu'elle soit. Donc là, c'est la pneumatique qui représente la charge. Donc la charge lorsqu'il va circuler à le sol support. Donc là, le sol support, en fonction de ça, en fonction de sa teneur en eau, en fonction de ses caractéristiques mécaniques, en fonction de ses caractéristiques, en fonction de ses caractéristiques de granulométrie, de propreté, et ainsi de suite, elle va pouvoir soit supporter, soit ne pas supporter le passage via le véhicule. Par exemple, il peut y avoir des sols rocheux, donc là, c'est des problèmes de planéité, c'est des problèmes d'angularité le sol support, donc c'est pas vraiment circulable. Donc là, on a pensé à mettre une chaussée entre le sol support et la pneumatique. En fait, la chaussée, c'est un multi-couche, c'est par exemple un ensemble de couches, donc quand on a un sol support,
Okay, il y a un ensemble de couches, la couche 1, la couche 3, la couche 4, et ainsi de suite. En fonction de la résistance, en fonction de ce qu'on a en place, c'est-à-dire le sol support, en fonction de la pneumatique, en fonction des charges qui vont, en fonction des charges qui vont être appliquées à la sous support, on va choisir les couches, le nombre de couches, leur épaisseur et les matériaux que nous allons utiliser faire les couches. Chaque couche elle a une fonction. En fonction de sa position, faire le multicouche, les voilà chaussées, elle a une fonction. Fait la chaussée. Et en fonction de sa fonction dans la chaussée, et son intervention dans la chaussée, on aura un ensemble des matériaux qui seront utilisables fait de la couche. Donc un ensemble de matériaux qui soit adapté en fait le, qui soit adapté le qui soit adapté son utilisation, son rôle dans la structure de chaussée. Mais également qu'ils soient adaptés aussi aux charges qui sont appliquées, aux charges qui sont appliquées à la structure. Donc là, c'est toujours le même principe, il y a le dimensionnement d'une structure. On a une charge, on a un matériau qui a une résistance, nous devons choisir, bon, nous devons choisir déjà parmi un ensemble des matériaux le plus adapté à la structure d'Yana. Et également, nous devons choisir les caractéristiques géométriques d'un élément de structure qui va supporter les charges. Le cas de la chaussée, c'est en fait l'épaisseur de la couche qui va constituer le paramètre géométrique de dimensionnement, ça veut dire le choix de l'épaisseur de la structure, et également un choix de matériaux, ben, parce qu'il y a un ensemble de matériaux qui peuvent être choisis pour différentes couches. En fait, les matériaux, il peut y avoir en fait des alternatives. Il y en a par exemple la couche 1, on peut utiliser pour une sollicitation donnée. Il y a le trafic par exemple pour un ensemble de véhicules qui vont transiter à l'aide de la couche. Par exemple, à l'aide de la structure de chaussée, par exemple pour aide de la couche 1, étant donné sa position, étant donné son rôle, on aura un ensemble de matériaux qu'on peut utiliser fait de la couche. Donc on va choisir parmi donc les matériaux sur la base il y a des critères sur la base des critères d'économie de disponibilité, on va choisir les matériaux, on va choisir les matériaux à mettre chaque couche. Donc une structure de chaussée a des couches. Donc le rôle de l'homme, ou bien le rôle de la chaussée, c'est en fait de supporter les charges dues au trafic. Donc, ils vont supporter les charges dues au trafic. Elles vont transmettre les charges dues au trafic au sol support. En fait, étant donné que là, c'est le sol support, pardon. Là, c'est le sol support, par exemple. Nous avons la structure de chaussée. Étant donné que à de la structure de chaussée, elle a un matériau, il a un matériau plus résistant que celui de là, le sol en place, elle va pouvoir transmettre les charges au support dans de bonnes conditions, et avec un affaissement plus faible que celui du sol, elle a une portance plus importante que celle du sol parce que ce sont des matériaux élaborés. Si ce sont des matériaux bien choisis, alors que le sol, c'est un sol naturel. Donc, et l'escalier, donc, les matériaux de chaussée, ce sont des matériaux qu'on va fabriquer nous-mêmes. Donc, on va un petit peu contrôler leurs caractéristiques géométriques, leurs caractéristiques de résistance. Bon, et ça permet de transmettre les charges dues au trafic. Donc, il y a les charges. Ok, maintenant les sols supports, donc les charges dues au trafic. Donc, c'est déjà une composante qui va intervenir sur le dimensionnement de la chaussée. Ça veut dire les charges du trafic. Là, c'est la composante sollicitation. Ok, le sol support, c'est la fondation, en quelque sorte, de la structure de chaussée. Donc, la structure de chaussée, elle a également un rôle de la protection, de le sol support contre les eaux.
Donc là, le sol support, ça peut être par exemple un sol qui est sensible à l'eau. Par exemple, dans la portance, il change en fonction de son état hydrique, ce que vous avez fait le cours de la mécanique du sol. En fait, il y a des sols qui sont sensibles à l'eau. Ce sont en fait les sols argileux. Donc là, pour protéger le sol support contre les eaux de ruissellement, donc là, il faut mettre une structure de chaussée. La structure de chaussée, ça permet de protéger le sol support contre les eaux. Donc nous avons vu déjà les caractéristiques géométriques de la route, comme quoi la chaussée, elle a un dévers transversal. Le dévers transversal, elle a un rôle de protection, un rôle plutôt d'assainissement, ou bien d'assainissement de la surface de la chaussée, éviter la stagnation des eaux. Donc il est faire évacuer vers des fossés pour les collecter. Donc là, c'est pour protéger en fait la structure de chaussée, mais également le sous-support qui peut être sensible à l'eau, dont la portance peut changer en fonction de cette neurone. Donc à partir de des fonctions, déjà on va avoir l'ensemble des caractéristiques que doivent avoir les matériaux de la structure de chaussée. Étant donné qu'ils doivent y transmettre les charges au sous-support, il faut qu'ils soient un ensemble de matériaux en fonction de sa position de la couche. Il faut qu'ils soient résistants. Et une résistance lui-même. Elle doit protéger le sous-support contre les eaux. Donc la structure de chaussée en sa globalité doit être étanche. Donc pour assurer l'étanchéité de la structure de chaussée, pour protéger le sol contre les eaux, nous aurons besoin à ce qu'il y ait des matériaux qui sont imperméables. La structure chaussée, ce sont principalement les matériaux de surface. Donc les matériaux de surface, ils vont permettre en fait de protéger tout le corps de chaussée déjà, et également le sol support contre l'infiltration, contre la pénétration des eaux. Donc, pour pouvoir garder une certaine portance uniforme et permanente de l'OTAN. Donc, la deuxième, plutôt une autre fonction de la structure de chaussée, c'est d'assurer une bonne circulation, surtout en cas de pluie, avec confort et sécurité. Donc, à le niveau de confort, ou bien le niveau de sécurité, c'est surtout les niveaux de confort. Ça dépend de la politique d'investissement le maître d'ouvrage, ça dépend de ses capacités budgétaires, ça dépend de la classe de la route, ça dépend par exemple est-ce qu'on est en autoroute, ou bien on est en route en rose campagne, ou bien on est en route à faible trafic. Là, c'est en fonction le contexte de la route. Le terme bonne circulation est là un sens un peu subjectif, c'est en fonction du maître d'ouvrage. Donc les bonnes conditions de circulation, ça dépend de la route. Donc là, par exemple, dans les autoroutes, nous aurons besoin, pour assurer un confort de circulation correctement, nous aurons besoin à mettre par exemple une couche de roulement, dont le rôle est d'assurer le confort de l'usager de l'autoroute par exemple. Mais également, il va permettre de protéger le sous-support contre les de protéger le corps de chaussée contre l'infiltration des eaux de pluie. Donc là, ce sont en grande partie les rôles principaux d'une structure de chaussée. Et c'est en fonction des rôles, donc on va assigner chaque rôle à chaque couche de la chaussée, et en fonction du rôle assigné à chaque couche. Donc il s'agit d'un multi-couche dont chaque couche joue un rôle, ou plusieurs rôles. Donc là, chaque couche, il va jouer un rôle. Donc il y aura un matériau qui soit adapté l'utilisation de la couche. Et bon, c'est le principe général de le dimensionnement du structure. C'est pas les matériaux qu'on utilise le salon de la maison, ils sont pas les mêmes que les matériaux qu'on utilise la douche. Donc là, c'est en fonction de la fonctionnalité de chaque partie de la maison qu'on va choisir les matériaux qui soient adaptés. Mais bon, pour
que la maison en sa totalité assure sa fonction, il faut que toutes ses composantes assurent leur fonction élémentaire dans la fonction globale de la maison. C'est de même pour la chaussée. Donc, c'est un ensemble de multi couches. La chaussée elle a un ensemble de rôles et chaque couche doit jouer un rôle particulier la structure de chaussée. Donc, il faut qu'il y ait un ensemble des matériaux qui soient adaptés à la couche de la chaussée dépendamment de ça, de son rôle dans la structure de chaussée. Donc, les couches qui composent la chaussée donnent des noms. Donc, on a défini un multi-couche. Donc, mais chaque couche elle a un nom, le jargon dit la structure de chaussée. Qu'est-ce qu'on appelle déjà le sous-support? Bon, là, ça fait pas partie la chaussée. Ça fait pas partie de la chaussée. Donc, quand il a une couche de forme, il peut y avoir une couche de forme. Donc, parfois, la couche de forme, en fait, la couche de forme, ça fait pas partie vraiment de la chaussée. Donc, là, c'est ce qu'on appelle la PST. La partie supérieure, la PST, la partie supérieure des terrassements, on est la couche de forme. La fin de la couche de forme, on appelle la plateforme support de la chaussée. En fait, la structure de chaussée, plutôt la couche de forme avec le sol support, ça représente en fait la fondation de la chaussée. Bon, ça ne fait pas partie de la chaussée. Mais ça représente la fondation, de la chaussée. Et elle participe la fonction de la chaussée. Donc, c'est là par exemple, vous voulez construire un bâtiment, vous avez un matériau qui n'est pas bien adapté à votre matériau, et vous voulez, donc là, vous pouvez mettre un sol, donc, par exemple, un matériau de substitution. Un matériau de substitution pour assurer la portance voulue. Donc là, c'est le sol de fondation. Donc le sol de fondation, il peut comporter une couche. Bon, la fondation peut comporter une couche de forme. Donc ça, c'est un matériau plus noble que celui d'IA, le sol support. Donc c'est pour bien remplir son rôle. Donc, c'est pour assurer donc la couche de forme. On va voir le rôle d'IA exactement. Donc, OK, une bête, les couches de chaussée. Donc, en fait, le sous-support, elle est toujours là, mais la couche de forme, ça ne peut pas être, il y en a prévu, la structure de chaussée. On va voir le choix, il y a une dimension de la structure de chaussée. Quand est-ce qu'une couche de forme, elle est nécessaire? Quand est-ce qu'elle est non nécessaire, et lorsqu'il est nécessaire, pour quelles raisons on va opter pour une structure de chaussée, plutôt un matériau ou un autre. Donc là, c'est pour en quelque sorte assurer la rigidité de la structure de chaussée, plutôt le sous-support. On a parfois quelqu'un, par exemple, un sous-support ou quelqu'un, un matériau traité qui va jouer le rôle de la couche de forme. Donc là, ensuite, on a la chaussée proprement dite. Donc là, c'est Yanni, le seul support, la partie supérieure de terrassement avec la couche de forme, c'est le sol de fondation. On a la structure proprement dite. La structure, on trouve plusieurs couches. Qu'en a la couche de fondation, qu'en a la couche de base, ou qu'en a la couche de liaison. Il peut y avoir une couche de liaison, donc, ou qu'en a ensuite une couche de roulement. Donc là, c'est la couche de surface. La couche de roulement plus la couche de liaison. Ça représente la surface, les couches de surface. Donc, on a la couche de fondation, la couche de base et la couche de liaison. Nous allons d'abord voir quels sont les rôles de chaque couche. Donc là, quels sont les rôles de chaque couche. Donc, déjà, la couche de surface, le rôle de cette couche, c'est en fait de résister aux efforts horizontaux des pneumatiques. Bon, les efforts horizontaux des pneumatiques, ça provient principalement de deux choses. Qu'il y a les efforts de freinage, et lorsqu'un véhicule il roule à une vitesse donnée, donc une énergie cinétique. Donc lorsqu'il va s'arrêter, il faut une dissipation d'énergie cinétique.
Et le mécanisme de dissipation d'IL a de l'énergie cinétique, c'est en fait le frottement entre les pneumatiques et la structure de chaussée. Et à partir de là, le frottement, il y a en fait un effort de freinage lorsque le conducteur freine. Donc là, il y a des efforts horizontaux qui sont transmis, qui sont transmis la chaussée. Donc parmi les rôles et la surface de choses, la couche de surface, c'est de résister les efforts horizontaux. Et en fait, un matériau, pour qu'il puisse résister les efforts horizontaux, il faut qu'il soit lié. Parce que les efforts horizontaux, c'est principalement, c'est comme des efforts de traction. Donc là, pour que la couche de surface puisse résister les efforts horizontaux, il doit être avec des matériaux liaisonnés, avec des matériaux liés. Et là, c'est pour un petit peu résister les efforts horizontaux des pneumatiques. Les efforts horizontaux, ça peut provenir également de la dilatation thermique. Lorsqu'on a un échauffement de la structure de chaussée, de la face supérieure, donc il peut y avoir là une dilatation. Et pour résister la dilatation, il faut que les matériaux soient en quelque sorte liés. Il doit s'opposer à la pénétration des eaux. C'est pour en fait assurer l'étanchéité. C'est pour assurer l'étanchéité de la structure de chaussée, c'est pour protéger le corps de la chaussée et protéger le sol support contre l'infiltration des eaux. En fait, c'est pour un petit peu éviter la chute de portance qui peuvent surgir à cause de la pénétration des eaux, notamment en présence des sols de mauvaise qualité. Donc là, ce sont deux rôles fondamentaux de la structure de la couche de surface. Et en fonction des rôles, on va choisir les matériaux qui vont la composer. Elle doit également assurer le confort et l'usager, le confort des usagers et sa sécurité. Il faut qu'il y ait un bord uni, c'est-à-dire une surface qui soit plate et non pas irrégulière pour assurer le confort et la sécurité de l'usager. Donc, ado, les principaux rôles d'IEL, la structure de la couche de surface. En fonction des rôles d'IELA, donc on va en quelque sorte choisir les matériaux qui vont intervenir la structure de la couche de surface. Donc, en bête, il y a ce qu'on appelle la couche d'assise. La couche d'assise, comme son nom l'indique, donc en fait c'est la couche d'assise, c'est-à-dire la couche sur laquelle est la soie, donc la chaussée. Donc là c'est en fait en quelque sorte la couche qui apporte à la fondation le maximum de sa résistance. Il y a ni la grande partie de sa résistance. C'est d'apporter à la structure de chaussée l'essentiel de sa rigidité. Donc ça va constituer les sols de la... Le maximum, ou bien si vous voulez, la grande partie de la structure de chaussée, la grande partie de la résistance et la rigidité de la structure de chaussée, elle est apportée par de la structure de chaussée. Donc, c'est pour assurer de la rigidité de la chaussée. Les matériaux que nous allons utiliser, la couche d'assise, donc, ils doivent être résistants, donc recommandons des paramètres de résistance élevés. Nous allons voir comment on caractérise en fait les paramètres de résistance d'un point de vue structure de chaussée. Il y a les matériaux de structure de chaussée, comment on caractérise leur rigidité. Donc là, c'est pour supporter les charges du trafic qui sont appliquées à la structure de chaussée d'Yenna. Donc, il doit répartir les sollicitations sur la plateforme. Donc, il doit les répartir d'une façon uniforme. En fait, le sol support, vous avez là un sol support. Donc, lorsqu'on a. Donc, là, c'est la structure de chaussée, par exemple. Et vous avez une charge. Les charges et les pneumatiques, ce sont des charges ponctuelles.
Donc, à les charges ponctuelles, lorsqu'elles sont appliquées à la structure de chaussée, si, plutôt si elles sont appliquées à le sol support, il peut y avoir un point seulement dans le sol support. Donc, il peut y avoir un point seulement yani, localisé au droit de l'application de la charge. Pour éviter le point seulement, on va disposer la couche de une couche de chaussée qui a une certaine rigidité, donc une certaine épaisseur. Donc, lorsqu'on dispose entre le sous-support et les pneumatiques, les véhicules, le trafic qui sollicite la chaussée, donc, les charges de pneumatiques ne seront pas réparties d'une façon ponctuelle à la structure de chaussée, mais elles seront plutôt réparties d'une façon uniforme. Donc, la charge, par exemple, qui va faire, par exemple, 12 tonnes au plus. Donc là, à de la charge, il va se répartir d'une façon sur une surface plus importante et donc la contrainte, elle va diminuer. Donc, et pour là, c'est de ramener la structure, c'est de ramener en fait, on essaye de ramener les contraintes qui seront appliquées le sol à travers l'interposition entre le sol support et les charges d'une structure de chaussée, c'est pour répartir à des charges. Donc on aura, au lieu d'avoir une charge qui soit une charge qui soit concentrée, on aura une charge qui est uniformément répartie. Vous savez que lorsqu'on passe d'une charge uniformément concentrée vers une charge uniformément répartie, la contrainte appliquée le sol elle diminue. Donc là c'est le rôle d'iel les structures de c'est le rôle d'iel la structure de chaussée, plutôt la couche d'assise. Et d'un point de vue structurel, elle permet également de réduire les charges appliquées au sous-support. Donc là, si je viens d'expliquer, elle va réduire la charge à travers sa répartition sur une plus grande surface. Elle va également assurer la répartition d'elle là sur une grande surface d'elle. Le sous-support. Vous voyez en fonction des matériaux, plutôt en fonction de la couche d'assise. La couche d'assise. Donc, les matériaux qui vont composer la couche d'assise, il faut qu'il ait une certaine rigidité bien particulière. Bon, on peut, par exemple, s'en passer d'un ensemble de propriétés qui ne rentrent pas le rôle de la couche d'assise. Par contre, l'essentiel de la rigidité, ça doit être apporté par les matériaux qui vont constituer de la couche d'assise. Ensuite, il y a la couche de forme. Comme j'ai déjà dit, la couche de forme, ça fait pas partie de la couche de chaussée proprement dite. Yanimachi, ça fait pas partie de la couche de chaussée. Mais, bon, ça participe en fait, ça participe là, ça participe la résistance là. Ou la couche de forme, c'est pas toujours et ni prévu une structure de chaussée si en fonction en fait, c'est en fonction d'elle, c'est en fonction d'elle le projet, c'est en fonction d'elle, c'est en fonction d'elle les caractéristiques du sol en place, c'est en fonction d'elle les matériaux envisageables le corps de chaussée, c'est en fonction également d'elle le climat, c'est en fonction d'elle le trafic. Quand on essaye de voir est-ce qu'on a besoin en fait d'une couche de chaussée ou bien on n'a pas besoin d'une couche de chaussée. Pardon, d'une couche de forme, on n'a pas besoin donc d'une couche de forme. Donc, les fonctions de la couche de forme, donc c'est en fait déjà, c'est une structure, c'est un matériau naturel qui est placé entre la race supérieure de l'étérassement. C'est en fait ni la race supérieure de l'étérassement, ni soit on est en déblai, soit on est en remblai. Donc c'est le niveau supérieur de la partie supérieure de l'étérassement. Donc ça permet d'avoir une plateforme support de la chaussée homogène et performante. Donc la structure de la couche de forme. La couche de forme, elle peut être constituée d'une seule couche de matériaux. Ou bien au contraire, deux couches successives, donc répondant à des fonctions distinctes. Il peut y avoir plusieurs couches
de la couche de forme, et chaque couche de la couche de forme, ça remplit une fonction particulière. Donc, de la couche de forme, il peut y avoir par exemple un jus textile, il peut être par exemple, il y aura des matériaux naturels, donc avec un ensemble de caractéristiques bien précises qui sont adaptées adaptées la couche de forme, les rôles de la couche de forme. Donc, le rôle de la fonction, le rôle de la couche de forme, il a en fait deux rôles. Il a deux fonctions, une fonction qui sont à court terme, ou qu'il a une fonction à long terme. Donc, la fonction à court terme, c'est en fait le moment du chantier. Donc, c'est en fait la durée de chantier. Pour la durée de chantier, la couche de forme, elle doit permettre de mettre en place, de bonnes conditions, les couches de chaussée. Donc là, elle doit présenter des qualités d'uni. Ça veut dire l'uni, c'est la planité de la surface. Elle doit présenter des qualités d'uni. C'est pour assurer le nivellement. Il faut assurer le nivellement au moment d'yel, yani, au moment d'yel, la mise en œuvre de la structure de chaussée. Elle doit résister les intempéries. Donc en fait, il faut que au moment des travaux, que le sol de la couche de forme, il faut qu'il soit insensible à l'eau pour éviter l'impact des intempéries sur le déroulement de la chaussée. C'est plutôt sur le déroulement de le chantier. Elle doit également présenter l'importance vis-à-vis des engins qui permettent d'approvisionner les matériaux de la couche de fondation. Et la couche supérieure, il faut qu'il assure la circulation des engins qui vont permettre de permettre la mise en œuvre de la structure de chaussée, telle que par exemple les camions, les compacteurs, les niveleuses, et ainsi de suite. Tout le matériel, il doit pouvoir circuler de bonnes conditions. Et la couche de forme, le rôle d'Yelha, en fait. À long terme, elle a un rôle de maintien d'une portance minimale. Donc, ça veut dire qu'on a déjà dit que il se peut que le matériau, il se peut que le sol en place a des caractéristiques qui ne permettent pas d'atteindre un certain niveau de portance compatible avec la structure qu'on va mettre en place. Et parfois, le sol support, ça permet pas de supporter les. Ça ne pas, ça peut ne pas être adapté la structure de chaussée qu'on va mettre en place. Et donc là, le rôle de la couche de forme, c'est en fait de procurer une portance homogène. Une portance homogène, une portance homogène, minimale, le sol support. Si en fait, en fonction de le trafic, nous allons voir dimension de la structure de chaussée, on va évaluer la composante trafic, il y a le niveau de sollicitation. On évalue d'une autre part la portance du sol qu'on a déjà sur place. Et en fonction de la portance qu'on a sur en place et la portance, la sollicitation, on a besoin d'une portance minimale. Le rôle d'elle, parfois, de la couche de forme, c'est d'apporter de la portance minimale et de la maintenir durant la durée de vie d'elle, la chaussée. La maintenir, en fait, pourquoi la maintenir homogène et constante dans le temps? C'est en fait, il peut y avoir un sol dont l'état hydrique, ça fluctue. Plutôt, la portance, ça fluctue en fonction de l'état hydrique d'Yalou. Donc là, c'est en fait à la structure de. C'est en fait à la couche de forme d'assurer l'homogénéité. Donc ça contribue également le drainage via la chaussée. Donc, il doit être perméable, il doit être
en matériaux qui sont insensibles à l'eau. Donc, on va voir. Et lorsqu'on va aborder le dimension de la structure du chaussée, quelle est la nature des matériaux qu'on peut utiliser et nif le corps, faire de la couche de forme. Donc là, bon, il doit en fait également résister, assurer la protection thermique des sols, surtout les sols qui sont gélifs. Il y a des sols qui devient où il y a un risque de gel. Donc un risque de gel, c'est-à-dire lorsque la température ça diminue. Donc là, il peut y avoir un risque de gel. Donc il faut que la couche de forme, ça protège les matériaux contre le gel. Donc il faut qu'il protège. Il faut qu'il protège. Là, il faut qu'il protège les matériaux contre le gel, tout simplement. Donc là, pour assurer le rôle, les matériaux de la couche de forme, ils doivent présenter un ensemble de caractéristiques. Parmi les caractéristiques, il faut qu'ils soient déjà insensibles à l'eau. Donc le premier paramètre, c'est l'insensibilité à l'eau. Donc il faut qu'ils soient insensibles à l'eau, en fait, parce que là, on les a mis la structure de chaussée, c'est en fait pour protéger un sol, les hauts sensibles à l'eau. Donc en fait, on va pas protéger un sol sensible par un matériau qui est sensible. Donc parmi les caractéristiques, il faut qu'il soit insensible à l'eau. Donc, au-delà de la sensibilité à l'eau, en fait, vous avez un ensemble d'essais où chaque essai a un rôle de caractériser le sol d'un point de vue donné. Et par exemple, pour caractériser le sol d'un point de vue insensibilité ou bien sensibilité à l'eau, vous avez fait un ensemble d'essais. Parmi les essais, qui est par exemple l'essai, l'indice de plasticité, qui est le VBS, donc là c'est des indices, c'est des essais qui permettent de caractériser le sol, de caractériser le matériau, un matériau naturel, de caractériser sa sensibilité à l'eau. Il faut également qu'il ait un module de déformation supérieur ou égal à 50 mégapascales, c'est pour un petit peu être rigide. Il faut qu'il soit pas trop déformable. Donc, pour caractériser la déformabilité de le sol, c'est en fait on doit procéder un essai à la plaque et évaluer le module de déformation de la couche de forme. Et il faut que ce module de déformation soit supérieur ou égal à 50 mégapascales. Il faut également qu'elle ait une épaisseur suffisante, une épaisseur qui soit compatible à la fois avec sa mise en œuvre, mais également avec le niveau de trafic qu'il va supporter la chaussée dont elle fait partie. Donc parfois, les matériaux de la couche de forme, on peut procéder des actions à des matériaux naturels pour pouvoir avoir des matériaux qui soient adaptés à la structure de chaussée. Et en fait, les matériaux qu'on va utiliser fleuron blé, ce ne sont pas les mêmes matériaux qu'on va utiliser la couche de forme. Ils doivent être, par exemple, des matériaux plus nobles. Plus nobles parce que la fonction, elle est en fait plus noble. En fait, les matériaux de la couche de forme, ils sont plus proches les sollicitations du trafic que ceux le remblai ou bien ceux le déblai. Donc parfois on est obligé d'améliorer les sols disponibles par un ensemble de techniques. Donc par un ensemble de techniques. Les techniques, ça commence tout simplement des actions sur la granulométrie, c'est-à-dire c'est en fait on essaye de
changer la granulométrie du sol, le sol en place. C'est en fait soit éliminer les gros éléments, donc généralement les éléments qu'on utilise là, les dimensions maximales, ce sont de l'ordre de 50 mm. Donc pour les matériaux qui doivent être malaxés avec de la chaux par exemple, et de 60 à 80 mm pour les matériaux granulaires, ou bien en absolu supérieur à le diamètre maximal, c'est 10 cm, qui pour les matériaux roulés. Donc là, parfois on est obligé pour assurer les exigences sur la granulométrie des matériaux à utiliser la couche de forme, on est obligé de procéder à un ensemble d'actions. Un ensemble d'actions à là, les matériaux. Soit éliminer dès que la fraction grossière. Parfois également, on est obligé d'éliminer la fraction fine, sensible à l'eau. En fait, on a dit que parmi les rôles, parmi plutôt les caractéristiques que doit avoir un matériau pour être utilisé, la couche du fort, il faut être insensible à l'eau. En fait, la sensibilité d'un matériau à l'eau, ça provient de la fraction fine. Donc, pour éviter de la sensibilité, on est obligé d'éliminer de la fraction fine. Donc là, ensuite, il peut y avoir des actions à l'état hydrique. En fait, le niveau de portance d'un sol, il dépend de son état hydrique. De même pour les conditions de sa mise en œuvre. Les conditions de sa mise en œuvre, elles aussi, elles dépendent de son état hydrique. En fait, il y a un guide qui s'appelle le GMTR, le guide marocain de terrassement routier, qui traite de tout ce qui est utilisation des matériaux, tout ce qui est conditions d'utilisation des matériaux, les remblais et les couches de forme, c'est-à-dire les terrassements, c'est le terme terrassement. Et parmi les paramètres qui interviennent l'utilisation des matériaux, c'est leur état hydrique. Parfois, on peut jouer sur l'état hydrique, soit dans un sens d'augmentation par une humidification, soit dans un sens de séchage pour un petit peu diminuer la teneur en eau et la rendre en quelque sorte proche de l'optimum proctanormal. Donc soit on peut arroser, donc c'est principalement l'arrosage l'arrosage les matériaux pour maintenir la teneur en eau optimale. Elle peut également On peut utiliser le traitement, mais le traitement il est un peu cher. Et il y avait des expériences, mais bon, la plupart du temps, on préfère acheminer un autre matériau que de traiter un matériau en place. Ou le traitement en place, c'est en fait l'objectif d'Yellow, c'est d'améliorer la portance. C'est principalement le traitement à la chaux. Et également d'améliorer l'insensibilité à l'eau. En fait, la chaussée, ça permet d'aérer la chaux plutôt, ça permet d'absorber l'eau. Donc là, et ça permet de diminuer la portance d'elle. Ça permet plutôt de diminuer la teneur en eau et d'augmenter la portance du sol et de la rendre homogène, durable sur le temps. Donc c'est pour ça on fait un traitement à la chaux. Donc là, c'est un ensemble d'actions sur les matériaux naturels pour les rendre aptes ou bien pour les rendre compatibles avec une utilisation en couche de forme. Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc, là, on passe les matériaux en fait de la chaussée, donc les matériaux de la chaussée proprement dite. Donc ce qu'on vient de dire, c'est en fait c'est relatif à les terrassements, ça veut dire la couche de forme à la partie supérieure des terrassements. Donc là, on passe maintenant les matériaux qui peuvent être
يعني utiliser يعني في la structure de chaussée donc في les différentes couches en fonction de le projet. La première يعني de ces donc on aura en fait trois familles, trois grandes familles. Qu'est-ce les graves non traités, qu'est-ce le mélange traité oléon hydrocarboné, donc les mélanges traités oléon hydrocarboné. Okay, également les mélanges traités oléon hydraulique. Nous allons passer en revue à les différents matériaux. Donc, on commence par les graves non traités, qui sont les plus anciens des matériaux modernes. Ça veut dire les plus anciens des matériaux qui sont utilisés les structures de chaussée depuis les années 50. Donc là, une grave non traitée, bon, c'est tout simplement un mélange à granularité continue, donc de cailloux, de gravier et de sable, avec généralement une certaine proportion d'allée fine. Donc, la granulométrie continue, ça veut dire il faut qu'il soit continu, il n'y a pas ni une fraction qui n'existe pas, les diamètres. Donc, par exemple, si on parle de 0,14, par exemple, ou bien 0,40, il faut que toutes les diamètres existent, faire de la granulométrie, c'est pour assurer un empilement bien, un empilement correct et assurer une compacité correcte d'elle la grave non traitée d'elle. Il faut que la grave non traitée ait un diamètre maximal. Le diamètre maximal, elle est généralement compris entre 14 et 40 mm. Donc pourquoi a de la réduction, bien pourquoi la limitation, il y a le dé maximal, c'est en fait pour éviter la ségrégation à la mise en œuvre et améliorer le nid. Ça veut dire améliorer la planéité la couche de fondation, ou bien la couche d'IL est grave non traitée. Et ça permet également d'avoir un bon arrangement et un bon arrangement d'IL les grains lorsqu'on les compacte. Plutôt, on a un bon arrangement d'IL le matériau lorsqu'on le compacte. Et en fait, la compacité élevée, ça provient de la granulométrie, et la granulométrie d'IL le sol. Ça permet d'assurer une bonne stabilité, une bonne résistance à l'orniérage, sous charge répétée. Donc là, ça permet également de limiter l'attrition. On va voir quelles sont les caractéristiques ou bien les paramètres de mesure d'IELHAD, l'attrition. Ça permet également d'augmenter le module du yonk et d'assurer un meilleur étalement des charges sur le sol de fondation. Donc là, oui. Je n'arrive pas à vous entendre. Oui. Je Oui. Bon, tenant parfois, c'est pas vraiment le tenant. En termes de consistance, ou bien en termes de la nature, ça ressemble à un tenant. Mais en termes de caractéristiques, donc il a des caractéristiques bien spécifiques. Ok? Et un tenant, ça peut, et mais ça a des caractéristiques spécifiques. Et en fait, lorsque je dis grave non traité, on va voir un ensemble de classes des graves non traités. C'est un béton. Un béton, en général, c'est un mot général. Un tenant, c'est général.
Mais lorsqu'on parle d'un béton B30, un béton B15, un béton B20, là, on parle de la résistance. C'est des classes. C'est de la même façon. Grave non traité, c'est des matériaux naturels. Si vous voulez, c'est du tuve non. Mais c'est du tuve non sur lequel elle a été faite, il y a des actions pour un petit peu avoir un ensemble de caractéristiques bien particulières. Alors, si je dis par exemple le D50, le D maximal compris entre 14 et 40 mm, là, c'est pas facile d'avoir hein, le D50 ni la nature comme ça, il y a des terrassements. Donc là, il faut vraiment faire, il faut faire des actions. Elle a le matériau en place, elle a le tenant pour un petit peu assurer le D50. De même pour le pourcentage des films en plastique. Il y en a qui doit être faible, donc là il faut faire des actions à l'aide de tuve-dents pour le rendre apte, il y en a pour le rendre conforme à une grave non traitée. On va voir un ensemble de graves non traitées, il y en a des codes, la GNA, la GNB, ainsi de suite. Ok? Très bien. Donc là, il doit également avoir des conditions à la longularité d'Yalo et ainsi de suite. La propreté, on va voir les caractéristiques. Donc là, pour les graves non traités, il faut qu'il ait un minimum d'angularité également pour la stabilité. Donc les matériaux roulés ne sont acceptés que pour des routes de faible trafic. En fait, l'angularité, ça permet d'améliorer la résistance. La résistance au frottement. Donc, c'est d'améliorer l'angle de frottement. C'est pour un petit peu améliorer la stabilité. Comme vous avez fait un cours élémentaire de la mécanique du sol, c'est en fait la stabilité d'un versant naturel, la stabilité d'un matériau naturel au glissement. C'est en fait, elle est obtenue à travers son coefficient de frottement. Et pour améliorer le coefficient de frottement, pour l'augmenter, il faut que les matériaux aient un minimum d'angularité. Il faut également qu'il ait une propreté. De la propreté, en fait, il est traduite par les seuils d'équivalent de sable. C'est un élément essentiel. Également pour la stabilité par temps humide, ça veut dire lorsqu'on a un temps humide, il faut que la stabilité soit assurée. Et l'indice qui permet de mesurer à de la stabilité, c'est en fait un équivalent de sable qui doit être compris supérieur à 40, voire 50 en fonction du trafic. On va voir en fonction du trafic quel est le matériau à utiliser ou le matériau il doit avoir également. Elle doit avoir un certain niveau de propreté. Donc, elle a également la dureté. La dureté, c'est pour éviter les efforts de fragmentation. C'est pour résister à la fragmentation, à l'attrition par les granulats. Donc là, il faut que le matériau soit dur. Et on se base pour sur l'essai d'IEL Los Angeles. Pour évaluer la résistance à la fragmentation et également sur l'essai micro de Van entre les os d'eau pour tout ce qui est résistance à l'attrition. Donc, il y a la résistance à la fragmentation à travers l'essai de Los Angeles, ok, la résistance à l'attrition à travers sous l'eau, à travers un essai micro de Van. Donc, là, c'est pour caractériser les matériaux granulaires. Donc, les matériaux granulaires, bien les graves non traités, ils ont en fait deux utilisations, deux niveaux d'utilisation en fonction de le niveau de trafic. Donc, si on est un faible trafic, les matériaux non traités, elles peuvent être utilisées à la fois la couche de fondation, il y a la couche en dessus d'elle, la couche de fort, ou bien également la couche de base. Il y a la couche qui est juste en dessus d'elle,
la surface du roulement, et la couche de roulement, la couche de surface. Donc là, pour les faibles trafics, donc les graves non traités, ils peuvent être utilisés faire les deux couches. Par contre, pour les trafics moyens, à partir d'un trafic moyen, l'utilisation de la couche des graves non traités, elle est seulement autorisée les couches de fondation. Donc on peut l'utiliser seulement la couche de fondation qui est un petit peu loin de l'agressivité du trafic, mais les charges du trafic. Donc là, on peut également utiliser on peut l'utiliser en fait pour le trafic moyen, à condition que son utilisation soit restreinte à la couche de fondation. Donc en fait, il y a plusieurs types de graves non traités. Il y a ce qu'on appelle les GNT, les graves non traités utilisés dans la couche de base. Donc là, c'est les graves non traités qu'on peut utiliser dans la couche de base. Donc, ce qu'on appelle la GNT de type A, c'est la GNA. La GNT de type B, c'est la GNB, la GNT, la GNC et la GND. Donc là, ce sont des codes. Et je vous dis, la GNA, c'est pas un matériau bien particulier, qui est issu d'une certaine roche bien particulière. C'est un matériau qui a un ensemble de caractéristiques. Et plusieurs matériaux d'origine différente peuvent être dénommés GNA. C'est en fonction des caractéristiques de le matériau, en fonction des caractéristiques de la GNA. Donc ce sont des caractéristiques qui vont porter sur la granulométrie, sur l'angularité, sur la propreté, sur la dureté, la résistance à l'attrition. C'est en fonction d'elle les valeurs d'un ensemble d'essais qu'on va classer un matériau en GNA, ou bien en GNB, ou bien en GNC, ou bien en GND. Et concrètement, lorsqu'on veut construire une chaussée, par exemple, on a fait le dimensionnement de la structure de chaussée. On doit mettre un matériau, par exemple, 20 cm de GNA, la couche de base. Le seul moyen de dire que il s'agit effectivement d'une GNA ou non, c'est de faire un ensemble d'essais et de voir les résultats des essais. On va voir les caractéristiques que doit avoir un matériau pour être classé en GNA, ou bien en GNB, ou bien en GNC, et ainsi de suite. Alors, ce sont les graves non traités qu'on peut utiliser la couche de base. Et on a dit que l'utilisation des graves non traités en général, elles sont réservées en couche de base, elles sont réservées pour les faibles trafics. Kenin également, les graves non traités utilisés dans la couche de fondation. Et là, on parle en fait de la GNT de type F1 à F3, donc GNF1, GNF2, GNF3. À des termes, ils vont, il y a des mots, ils vont revenir. Ce sont des codes pour un ensemble de matériaux. Donc, on va prendre quelques exemples d'iel à des matériaux. Donc là, une GNT utilisée pour une GNT qui peut être utilisée la couche de base. Donc là, vous avez un ensemble de caractéristiques devant vous. Là, c'est par exemple la granulométrie d'IL, les matériaux qui peuvent être utilisés pour une GNA et une GNB. Donc, il y a un fuseau de granulométrie. Donc, pour chaque diamètre, vous avez un passant, un pourcentage de passant. Selon la nature de la roche, vous avez un fuseau granulaire dans lequel la granulométrie de le matériau à classer doit s'inscrire
pour être déjà yani, classé en GNA ou bien en GNB. Kain un ensemble de paramètres, yani, un ensemble de paramètres relatifs à la résistance mécanique. Donc c'est en fait le Los Angeles et le micro de Val. Donc là, vous avez des valeurs limites à ne pas dépasser ou bien à ne pas en descendre. Au Kainin, des caractéristiques relatives à l'angularité, par exemple pour différencier entre une GNB, une GNB, une GNA, le paramètre, c'est en fait l'indice de concassage qui est supérieur à 100% pour une GNA et inférieur à 30, supérieur à 35% pour une GNB. Kain également des paramètres là, la propreté, c'est l'équivalent de sable. L'équivalent de sable qui doit être supérieur à 30, eh bien, ou bien, si l'équivalent de sable est supérieur à 45, le VB doit être, yani, le VB peut être inférieur, supérieur, plutôt inférieur à 1,5. Donc là, had l'extrait, oui, concassage, c'est l'indice de concassage. Donc, normalement, il y a les diapos, il y a le tableau que vous avez devant vous. C'est un extrait le catalogue des structures de chaussée. Donc, comment on procède réellement sur le chantier? Donc, là, lorsqu'on va faire le dimensionnement, donc, Nisbanda, c'est un élément qu'on va utiliser. D'abord, lorsqu'on fait, par exemple, le dimensionnement d'un bâtiment, là, le dimensionnement d'un pont. On prescrit on prescrit une certaine résistance. Donc on va dire qu'on va en fait réaliser, on va en fait réaliser un élément en béton avec un béton B30 par exemple. Had B30, ce qu'on utilise mais le béton en fait là, c'est en fait sa résistance à la compression, son retrait, son fluage, c'est un ensemble de caractéristiques. Quels sont d'autres caractéristiques qui relèvent par exemple le chantier pour tout ce qui est mise en œuvre et ainsi de suite. Donc là, pour dire qu'un matériau, qu'un béton est par exemple de classe B30, il faut prendre des éprouvettes, il faut prendre des échantillons, les mettre un ensemble d'essais et à partir des résultats des essais, qu'est-ce qu'on a des critères de classement du béton pour pouvoir le classer par exemple en tant que B30. Elle doit avoir une certaine résistance, elle doit avoir une certaine résistance de compression, une certaine résistance de traction. Elle peut être prescrite d'autres caractéristiques qu'il doit avoir en fonction du contexte et le projet. C'est de même pour les GNT. Donc une GNT, c'est un matériau naturel élaboré, elle est modifiée, bon, modifiée, soit sur l'action de la granulométrie ou de la propreté, ainsi de suite. Had le matériau. Ça va être utilisé une structure de chaussée avec une épaisseur pour dire est-ce que le matériau il est en GNT ou non. Et il faut faire un ensemble des essais. On a l'ensemble des essais, c'est ce que vous avez fait le cours d'IEL en fait sur les matériaux. Donc on va faire, donc on va pas en revenir en fait à les essais, à les caractéristiques. En fait, ce que nous allons retenir, c'est pour avoir une certaine GNT, il faut respecter un ensemble de critères. Ou had de critères, ce sont des critères qui sont relatifs à un ensemble de caractéristiques. Ou pour voir est-ce que had des critères elles sont vérifiés ou non, on procède à un ensemble d'essais selon un mode opératoire bien défini et on va en extraire un ensemble de valeurs, de résultats qu'on va comparer les exigences réglementaires. Donc hada c'est un mot que je hada c'est général pour des différentes natures des matériaux qu'on va voir aujourd'hui. Donc là, par exemple, c'est pour une GNC. Donc, pour chaque matériau, vous avez un ensemble de caractéristiques. Donc là, c'est la granulométrie, par exemple, la granulométrie. Maintenant, de même, elle a également de la résistance mécanique, des autres caractéristiques là.
vous avez des fiches le catalogue il y a les structures de chaussée et les différents caractéristiques des différents matériaux. Donc Bnisba, la deuxième famille, il y a des matériaux qui sont utilisables les structures de chaussée, c'est en fait les matériaux traités au liant hydrocarboné. Donc les matériaux traités en liant hydrocarboné, donc kaynin deux types de mélange. Kaynin soit ce qu'on appelle les mélanges à chaud, ça veut dire avec une température, ou kaynin les mélanges à froid. Donc mélange, ça veut dire kaynin plusieurs composantes ou bien deux composantes au plus. Donc pour les mélanges à chaud, si on fait un mélange à chaud dans une centrale de fabrication d'un composant minéral, les en fait les granulats, et d'un composant d'un liant hydrocarboné. Généralement, le liant hydrocarboné, c'est en fait, c'est généralement le bitume. Donc là, c'est le bitume qui va composer le liant entre les granulats. Donc c'est un liant hydrocarboné et c'est un mélange à chaud. Ça veut dire avec avec une température élevée. Donc là, le composant minéral, en fait, il constitue 75% d'un masse d'un enrobé bitumineux, bien d'un mélange. Donc, ça permet d'assurer la transmission des charges aux couches inférieures. Donc là, c'est le composant minéral qui permet de transmettre les charges aux couches inférieures. Donc là, il doit avoir une bonne résistance aux efforts statiques et dynamiques. Ça veut dire qu'il doit résister soit aux efforts statiques, mais également aux efforts dynamiques, étant donné que ni la structure de chaussée est le soumise à des efforts dynamiques, néanmoins des efforts des véhicules, des vibrations, ainsi de suite. Donc, elle doit également avoir une bonne résistance. Il doit avoir une bonne résistance à la fragmentation, à la trichon. Et on va voir qu'il y a un ensemble d'essais qui permettent en fait de caractériser de la résistance au choc ou bien la résistance à la fragmentation. Et à l'attrition, c'est principalement le Los Angeles et le micro de Valle en présence du sol, de l'eau plutôt, le MDE. Donc là, elle doit également présenter une bonne adhérence, une bonne adhésivité avec le liant. Donc, étant donné qu'on va fabriquer un mélange, il faut que le mélange soit né. Et là, il faut qu'il ait une consistance bien précise. Donc là, il faut que le matériau, le composant minéral, soit adhésif avec le liant. Donc, pour ce qui est lié le liant hydrocarboné, c'est en fait une substance, c'est du bitume, constitué d'assemblages d'atomes de carbone et d'hydrogène, qui, au contact de particules solides, il développe des forces d'adhésion et de cohésion, donc assurant ainsi une résistance à l'attraction. Donc pour tout ce qui est gravement traité, il résiste principalement aux charges via une résistance à la compression. C'est à partir des liants et les matériaux liés qu'on peut développer une certaine résistance à l'attraction. C'est à travers la présence d'un liant hydrocarboné, ou bien de même pour les liants hydrauliques tels que le ciment. Donc là, c'est le cas par exemple, il y a le béton et ainsi de suite. Là, c'est des matériaux qui développent une résistance à l'attraction. Donc les bitumes, donc les propriétés des bitumes, elles présentent une ductilité, donc ils sont souples, ils permettent de s'adapter les déformations liées de son support. Elles permettent une bonne adhérence,
Donc, une bonne adhérence, même en présence d'eau. Donc, là, en fait, ça provient d'elle, le caractère inerte d'elle, le bitume. Donc, il ne réagit pas avec la plupart des agents chimiques. Donc, il est insensible à l'eau. Elle est également inerte pour de nombreux agents chimiques, c'est-à-dire il ne réagit pas avec plusieurs agents chimiques et ça permet d'éviter sa dégradation parce que si il réagit, ça risque un AO, il se transforme et si il se transforme, il va perdre ses caractéristiques et pour lesquelles on l'a choisi. Donc c'est pour ça elle est choisie pour être inerte. Donc là le bitume, ses caractéristiques, elle présente des caractéristiques d'être inerte par rapport aux agents chimiques. Donc c'est ça ce qui a favorisé son utilisation, la structure de chaussée. Donc, fait de la famille des mélanges hydrocarbonés, qui a différents matériaux bitumineux. Donc, ni fait de la famille des matériaux bitumineux, on trouve l'enrobé bitumineux, les graves bitumes de base, les graves bitumes de fondation, les bétons bitumineux à module IV et l'enrobé à module IV. Donc, les deux, ce sont des codes. Chaque matériau, il y a ni chaque type de matériau. Chaque type de matériau, un dos, en fait, il y a ni un ensemble de caractéristiques qui portent à la fois sur, pardon, le. Donc, j'ai dit que les matériaux bitumineux, étant donné qu'ils sont composés d'un matériau, d'une composante minérale, mais un liant, le bitume, donc les caractéristiques que doivent avoir les mélanges, elles portent à la fois sur
Yani la composante minérale, DNA, un ensemble de caractéristiques qu'on a déjà vues, donc la propreté, l'angularité, ainsi de suite. Kaine des caractéristiques en relation avec le bitume. En fait, le bitume, c'est quelque chose d'industriel. Il est plus ou moins industrialisé. Donc, pour nous, c'est un matériau qu'on utilise. Donc, ce n'est pas un matériau qu'on fabrique. Ce n'est pas comme les matériaux de construction, les moules fines candélo. Donc, ce sont des matériaux qu'on fabrique, qu'on peut modifier. Par contre, le bitume, c'est de la raffinerie le pétrole. C'est en quelque sorte les déchets le raffinement du pétrole qu'on utilise sur la structure de chaussée. Donc, au Kenin, des caractéristiques en relation avec le mélange. Le bitume plus le composant minéral, c'est comme le béton, qui connaît des caractéristiques du béton lui-même. Qui a des caractéristiques des granulats qui composent le béton, ou qui a également des caractéristiques qui doivent avoir le ciment. Et le ciment qu'on va utiliser un béton pour une formulation donnée, il faut qu'il ait un ensemble de caractéristiques qui permettent d'atteindre l'objectif pour lequel il a été choisi. Donc là, c'est les matériaux là, donc c'est des matériaux avec des cotes, par exemple un enrobé bitumineux, c'est un mélange des composants minéraux avec des composants bitumineux, donc il a un ensemble de caractéristiques. Et pour pouvoir différencier entre un enrobé bitumineux et une grave bitume de base, il faut nécessairement faire un ensemble d'essais. À des essais, c'est 6 essais qui vont dire est-ce qu'il s'agit d'un GBB ou bien un EB. Donc, il faut absolument faire les essais par un laboratoire yéni spécialisé tout ce qui est matériaux de chaussée. Donc, vous pouvez pas à partir de la vue là dire que là le matériau c'est un matériau yéni EB ou bien un matériau GBB. Il faut absolument faire les essais. Donc, on va un petit peu donner des exemples là. Elle a les différents matériaux. Donc, pour le détail et pour la totalité de chaque matériau qui a une fiche qui définit le matériau à travers un ensemble de caractéristiques mécaniques, géométriques, et ainsi de suite. Donc là, par exemple, pour un enrobé bitumineux, nous avons un fuseau de granulométrie que doit présenter un enrobé bitumineux. Donc c'est à travers en fait le passant au tamis, donc un fuseau. Elle doit être concassée pure. Ça veut dire qu'il faut que le matériau soit concassé et non pas roulé. Donc roulé, c'est ce qu'on peut trouver la nature, par exemple les rivières, ainsi de suite. Le concassage, c'est l'usine en fait. Ça doit être concassé. Elle doit présenter une bonne rugosité. Donc là, la propreté également, elle doit présenter la propreté. Donc là, pour tout ce qui est né bitume, donc qui est en fait la résistance à la compression simple. Donc on fait un essai de résistance à la compression simple et on mesure de la résistance à la compression simple. Et il faut que la résistance à la compression simple soit supérieure à une certaine valeur. En fonction de certaines valeurs, on classe, en fonction de la valeur, on va classer le bitume, par exemple en 60, 70 ou bien 40, 50. Donc là, on a également le module de richesse. Le module de richesse, c'est en fait un paramètre qui permet de mesurer l'enrobage les granulats par le bitume. Donc là, ça permet de mesurer l'enrobage, le niveau d'enrobage des granulats par le bitume. Qu'il y a tout ce qui est en relation avec la stabilité Marshall ou bien les essais Marshall. Qu'il y a un essai Marshall, c'est un essai dans lequel on impose à une éprouvette d'iel béton, d'iel plutôt d'iel bitume, un essai de compression avec une déformation imposée. Et on mesure la résistance d'iello, on mesure également le fluage. Et nous, le fluage, c'est
En fait, le fluage, c'est la déformation à charge constante. On applique une charge constante, on regarde comment il évolue la déformation et on mesure de la déformation. Avec cette déformation, il faut qu'elle soit limitée. Bon, c'est en gros les caractéristiques d'un bitume. Bon. Sincèrement, moi, j'ai pas une de connaissances beaucoup fait domaine de bitume, mais bon. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait les caractéristiques mécaniques de la bitume, le point de vue mécanique de l'eau. Et pour dire qu'un matériau, il s'agit d'un robot bitumineux ou non, il faut faire un ensemble d'essais. Ou de l'ensemble d'essais, nous avons, selon un mode opératoire, et on compare à des valeurs réglementaires, à des valeurs réglementaires qui permettent de dire. Est-ce qu'il s'agit en fait effectivement d'un enrobé bitumineux ou non? Donc pour les autres matériaux, de la même façon, il y a plusieurs types de matériaux, que le matériau a un ensemble de caractéristiques, et pour vérifier les caractéristiques, il faut procéder à un ensemble d'essais, donc d'essais selon des modes normalisés. Donc c'est ce que je peux dire, Fad. Et la partie. Donc en fait, chaque essai, vous allez trouver une norme selon lequel, par exemple, l'essai de l'IS c'est en fonction, la résistance après immersion divisée par la résistance à sec. Là, on mesure une chute de la résistance à cause de l'immersion dans le sol. À la chute, il faut qu'elle soit. Limité à 20% pour dire que le bitume il est de classe, ou bien le BBME il est de classe 1, ou classe 1, ou bien classe 2, ainsi de suite. Donc, il y a un essai d'orniérage. L'essai d'orniérage, c'est en fait l'épaisseur de l'ornière qu'on peut avoir lorsqu'on va appliquer un ensemble d'essais cycliques, un chargement cyclique. C'est pour voir un petit peu l'affissement qui va se produire sur la chaussée. L'essai de module complexe, en fait, c'est. La mesure d'un module. Maintenant, un module est réel, comme pour les matériaux radiés, mais nous avons un module complexe, il fait une partie imaginaire, une partie, une partie soi-disant réelle. Ok, on a un essai de traction directe, donc une éprouvette est soumise à un essai de traction. Ok, on a un essai de fatigue, c'est en fait pour voir la chute d'elle. Il y a la résistance à cause les chargements cycliques. Donc là, c'est grosso modo. Donc, il y a des caractéristiques. Vous pouvez revenir vers les normes pour un petit peu voir et le mode opératoire et ainsi de suite. Donc, pour les graves bitumes, en fait, on m'affirme deux choses qui est en fait. Il y a les granulats, il a des caractéristiques sur Los Angeles, sur la dureté, sur la granularité. Et il y a également le bitume des différents caractéristiques que doit avoir un bitume. Donc, c'est un ensemble d'essais qu'on réalise pour dire est-ce que les caractéristiques elles sont respectées ou non. Donc, les EME, les A modules élevés, ainsi de suite. Donc là, c'est des extrêmes, le catalogue des structures de chaussée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les mélanges à froid. Donc, les mélanges à chaud, qui est la température. Les mélanges à froid, en fait, c'est des dispersions intimes de deux produits insolubles l'un dans l'autre. Yani, ma qui connaissent solubles. Ils ne sont pas miscibles. Yani, ma qui traltoche. Pour les émulsions de bitume, la phase dispersée, c'est le bitume. Et la phase dispersante, c'est l'eau. Donc, on disperse le bitume, flma. C'est pas zit, mais qu'un flma. Donc là, elle est dispersée, mais ils ne sont pas miscibles. Donc, il y a des caractéristiques. Donc, yani, les caractéristiques, c'est un matériau qui est visqueux, il a une certaine viscosité. C'est un matériau les stable au stockage, c'est-à-dire les caractéristiques de l'eau, il ne varie pas lorsque il est stocké. Donc les caractéristiques de l'eau, ils ne sont pas, il ne varie pas au cours du temps lorsqu'il est stocké.
Okena, la vitesse de rupture, c'est-à-dire la vitesse de rupture, c'est la vitesse de dispersion d'iel had les matériaux ou bien had la phase dispersion dans la phase dispersée, plutôt la phase dispersée dans la phase dispersante. Donc là, c'est en quelque sorte les caractéristiques technologiques d'iel had l'émulsion de bitume. Donc bon. Pour la fabrication de l'émission du bitume, nous avons besoin d'une énergie mécanique et d'une énergie chimique. Donc, pour pouvoir fabriquer le mélange, donc qu'il y a le bitume, qu'il y a des produits chimiques qu'on rajoute, et une énergie mécanique, c'est de malaxage pour pouvoir y malaxer l'émission. Pour pouvoir la malaxer, nous avons besoin d'apporter une certaine énergie mécanique pour pouvoir arriver le produit final. Donc, les émulsions, comme on l'a vu, les mélanges à froid, il y a un ensemble de matériaux, de classes de matériaux. Par exemple, il y a une grave émulsion pour couche de base, il y a un enrobé collé à froid pour couche de roulement, qui est enrobé à froid pour réparation. Bon, qui est des matériaux qui sont utilisables actuellement, qui est des matériaux qui ne sont pas beaucoup utilisables. Donc là, c'est en quelque sorte les classes, les classes de bitume, les kénines. Donc c'est des classes de bitume, les kénines. En fait, c'est plutôt c'est des classes d'iel, les mélanges à froid qu'on peut rencontrer les matériaux de chaussée. Donc de même, les graves d'émission, elles ont un ensemble de caractéristiques qui portent à la fois sur la composante minérale, tout ce qui est indice de concassage, Los Angeles, granulométrie, propreté, tout ça, qui fait des limites, qui fait des spécifications sur la composante minérale. De même qu'il y a également la composante le bitume. Donc il a un ensemble des caractéristiques qui portent aussi sur sa compacité, sur sa résistance, sur sa stabilité et ainsi de suite. Donc là c'est d'autres toujours c'est des extrêmes le catalogue. Donc vous allez retrouver à des fiches. Donc on va voir en fonction du trafic, on voit que il peut y avoir des caractéristiques qui peuvent changer en fonction de la classe de trafic. Par exemple, la résistance mécanique, ça dépend du trafic, ça dépend du niveau de trafic en fait, parce que la fragmentation, c'est en fonction de la sollicitation qui va appliquer le matériau. Et donc là, c'est normal d'avoir un paramètre qui dépend, yani qui dépend de qui dépend de qui dépend de la classe du trafic. Donc le CPA, c'est en fait le polissage accéléré, le coefficient de polissage accéléré. Donc c'est lorsqu'on met des billes qui tournent avec le matériau pour voir est-ce que le matériau ça devient poli ou pas. Donc avec l'attrition, avec l'impact d'iel, avec l'impact d'iel le trafic, comment la surface d'iel un matériau elle va varier. Donc là c'est le CPA, le polissage accéléré. Donc la troisième famille des matériaux qu'on peut trouver la structure de chaussée, c'est en fait les mélanges traités aux liants hydrauliques. Donc les mélanges traités aux liants hydrocarbonés, la base d'iel en fait c'est le bitume. Ok, les mélanges traités aux liants hydrauliques. Au fait des mélanges traités aux liants hydrauliques, on sait le liant hydraulique principal c'est en fait le ciment. Donc c'est ce qu'on appelle la GVC, c'est la grave valorisée au ciment. Ok, la GAC, c'est la grave améliorée au ciment. Ok, le béton. En fait, la différence entre grave valorisée et grave améliorée, c'est en fait le pourcentage d'iel, le ciment, le pourcentage d'iel, le liant. Donc là, pour la GVC, de même, qui a des caractéristiques sur les. Sur les granulats, donc un ensemble de caractéristiques. Donc c'est des granulats de type
GNC ou bien GND. L'un donne un certain décès compte, un certain coefficient d'uniformité défini par le D60 sur le DC, le D10 sur le D60, qui est bien évidemment des caractéristiques de dureté, de l'indice de plasticité, ainsi de suite. Donc, il y a également le dosage en ciment. Le dosage en ciment, il varie généralement de 2 à 4% du ciment. C'est pour avoir un indice de CBR supérieur à 100, ou bien et une résistance à la compression supérieure à 20, yani avant supérieur à 20, à 20 bars. Donc là, et un rapport de résistance à la compression et résistance à la compression à 14 jours. Donc là, c'est de l'ordre de 0, supérieur à 0,50. Donc là, okay, il y a ce qu'on appelle la GAC. Donc ces deux types de matériaux peuvent être utilisés. Donc, kaolin, soit des matériaux M1 qu'on qualifie de M1, kaolin, des matériaux qu'on qualifie de M2, si en fonction de leurs caractéristiques ni mécaniques, leurs caractéristiques de granulométrie, leurs propretés, ainsi de suite. On peut utiliser soit un matériau M1, soit un matériau M2 qu'on va mélanger avec le ciment pour avoir un matériau mélangé, une GAC. Donc là, c'est pour le béton de ciment. Donc là, le granulat, les granulats doivent avoir un ensemble de caractéristiques à respecter. Donc là, c'est en quelque sorte les différents caractéristiques, le Dmax, la dureté, ainsi de suite. Donc, on passe maintenant à les différents types de chaussées. Les différents types de chaussées, en fait, ça provient le dimensionnement. Le dimensionnement, lorsqu'on va aborder le dimensionnement de la chaussée, on va différencier pour le dimensionnement d'une structure de chaussée souple. On va c'est pas comme le dimensionnement d'une structure chaussée semi-rigide ou bien chaussée rigide. En fait, la classification fait les trois types, c'est en fonction d'elle le matériau qui compose la chaussée, qui compose en fait les différentes couches de chaussée. Et en fait, chaque type de chaussée, il a un fonctionnement, et chaque matériau, il a un fonctionnement, un mode de résistance, et on doit gérer également les interfaces entre les différents matériaux. Donc là, ça nous donne des modes de fonctionnement différents entre un mode souple, un mode semi-rigide et une chaussée rigide. Donc là, c'est en fait les différents, si vous voulez, les différents types de chaussées d'un point de vue ni structurel, d'un point de vue comportement de la chaussée. Donc, Kane, pour les chaussées souples, c'est principalement des chaussées qui sont composées avec une couche de base, l'FEA, et une couche de fondation, l'FEA des GNT, et une couche de roulement avec des matériaux, yani des grappes bitumineuses, donc des grappes bitumineuses. Donc là, c'est ce qu'on appelle une structure de chaussée souple. Donc, la souplesse de la structure de chaussée, en fait, ça provient principalement de la présence de bitume, la présence de la GNT. Donc, il n'a pas une rigidité. C'est pas, par exemple, comme les structures lesquelles confirment le béton. Là, c'est la rigidité. Donc, la rigidité n'est pas toujours vraiment demandée. Bon, il faut que le matériau, ou bien il faut que la chaussée s'adapte, par exemple, aux déformations de la plateforme. Il faut choisir une structure qui soit souple. La souplesse, c'est en fait la capacité de déformation. Parfois, on a besoin de cette capacité de déformation pour éviter la cassure. Pour éviter la cassure de la chaussée, nous avons besoin d'y aller de la capacité de déformation pour que la chaussée peut suivre la déformation du sous-support. Donc, ok, également les chaussées semi-rigides. Donc, les chaussées semi-rigides, c'est principalement des chaussées qui sont constituées des graves hydrauliques. Ça veut dire des graves. Ce sont des graves traitées au liant hydraulique, dont les couches sont constituées par des graves traitées au liant hydraulique. C'est de la GAC ou bien de la GVC. Ok, également les chaussées rigides, ce sont
principalement les chaussées en béton. C'est carrément une dalle de béton qu'on va disposer sur le sol support. Donc, le choix d'y les types de structures, donc ça a un impact à la façon de dimensionnement d'y Déjà, le dimensionnement d'une structure rigide, mais le dimensionnement d'une structure souple. Ça a un impact à la nature d'y le sol support. Par exemple, pour construire une dalle de béton sur un sol support, il faut que le sol support soit peu déformable pour éviter les déformations de la dalle. Parce que les déformations de la dalle, étant donné que la dalle elle est rigide, il ne va pas suivre les déformations. Ici, si il ne suit pas les déformations, il va naître des déformations et des tassements différentiels entre les différents points de la dalle. Et ça va créer des moments de flexion et il y a un risque de cassure de la dalle. Par contre, si on a par exemple à construire une structure souple, le niveau de portance peut ne pas être le même parce que la structure souple, elle est moins rigide, elle est plus souple, donc elle peut suivre en quelque sorte, elle peut tolérer certaines déformations le sol support. Donc là, en quelque sorte, c'est la fin de la terminologie de la structure de chaussée. Donc, on a arrivé à la terminologie. Maintenant, on va, si vous n'avez pas de questions à ce qu'on vient de faire, on va aborder le dimensionnement de la structure de chaussée. Si quelqu'un a des questions à la terminologie qu'on vient de faire, avant de passer à la deuxième partie. C'est clair, très bien. Donc là, on va maintenant y en est passé. Bon, on va passer en fait le choix de la structure de chaussée proprement dit. Donc là, il y en est pour un projet donné. Comment on va arriver à choisir la chaussée la plus adaptée. Le contexte du projet. Bon, j'attends l'ouverture du